Bonjour tout le monde, enfin rebonjour, première conférence de l'après-midi, 14h. On reprend avec une grande conférence, avec plein d'intervenants pour cet après-midi. Beaucoup de présentiel, mais aussi du distanciel. On aura deux personnes en distance, donc Isabelle Raouard de l'agence Digital Wallonia, experte en Smart City. Christophe Rapine de NXP. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc sur place, nous avons Sophie Cast de la ville d'Istres, Michel Bellonnet de Medinsoft, Caroline Hébrard de Sopra, Steria. Bonjour. Next, on dit jusqu'au bout. On dit jusqu'au bout. Voilà. On aura Dominique Gâteau. Bonjour. Guillaume Collot. Bonjour à tous. Et Thomas Becker. Et bonjour. Je ne sais pas si on dit Beckers ou Becker. Beckers. Voilà. Au vu des consonances du nom. Donc on va parler Smart City et Smart Building, parce que les deux sont liés. Hein. Smart City, il y a les rues, mais aussi les bâtiments. Donc on ne peut pas animer un territoire sans l'un ou sans l'autre. Michel, est-ce que tu peux nous faire un premier focus en tant que Medinsoft et animatrice de la commission Smart City de Medinsoft, un peu un positionnement de la Smart City de nos territoires. Après, on aura des focus spécifiques entre des villes plus ou moins grandes et une métropole, la vision de chacun, donc ce sera très intéressant. On pourra la conforter à la Wallonie qui sont très avancées sur tous ces sujets-là. Et puis après, avec nos différents experts, quelle est la vision et les objectifs de la commission? Donc moi, je commencerai par donner déjà un petit peu le rôle de Medinsoft par rapport aux différents intervenants et aux différentes collectivités sur lesquelles on intervient, donc la métropole Aix-Marseille. On a mis en place... Peut-être un problème de micro, je vais juste vérifier. Oui, il en marche. Je me permets donc de resituer le rôle de la commission Smart City de Medinsoft au sein de la métropole Aix-Marseille. Notre but, c'est d'accompagner les collectivités et les villes à mettre en place des villes intelligentes. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que le chantier est tellement vaste. Chacune des villes n'est pas avancée, bien sûr, de la même façon. Les enjeux sont assez souvent similaires, mais selon la taille de la ville et selon les chantiers qui ont déjà été menés, effectivement, les bonnes pratiques peuvent être échangées entre communes. Et donc, l'objectif principal, c'est justement de pouvoir échanger les bonnes pratiques avec chacune des villes qui sont, depuis 6 mois maintenant, s'associer et se retrouvent tous les mois pour des ateliers de travail, pour partager en fait ce qui a déjà été fait, avec quels partenaires ils travaillent, de quelle façon ils s'y sont pris. Et donc ça a vraiment été une des missions qui a porté ses fruits et qui est en train de commencer à vraiment sur le territoire. Donc je laisserai bien sûr les responsables des villes en parler. Après, pour répondre à ta question, les avancées sont complètement disparates. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, qu'il faut éviter de travailler, on le disait ce midi au déjeuner, en silo. Davantage être en transverse et oser travailler ensemble. Il y a tellement de choses à faire que ce serait dommage en fait de commencer à chaque fois à réécrire une page blanche. Donc on a déjà un vrai travail sur le local, mais ce travail il existe aujourd'hui aussi sur d'autres villes. On voit bien que des villes comme Lyon, comme Dijon, comme Grenoble ont déjà fait beaucoup de choses. C'est dommage en fait de ne pas être davantage dans l'échange, et je pense que ça c'est vraiment une des choses sur lesquelles on pourra travailler et échanger après. Voilà, je vais déjà laisser sur ça. Qui tu veux qui commence en fait au niveau des villes? Je pense qu'on va laisser la parole à Sophie.
directrice des systèmes d'information à la mairie d'Istres. C'est une ville de 45 000 habitants, donc une ville moyenne, qui est toute petite par rapport à Marseille, mais qui nous permet aussi, enfin, les échanges sont fructueux justement sur ces réunions avec Made in Soft, parce que c'est important pour nous, petites, moyennes et les petites collectivités, de se servir de l'expérience des grandes villes, autant de Marseille, d'Aix. Et c'est vrai qu'on est un petit groupe assez dynamique, on se retrouve avec plaisir aussi, parce que les affinités se font, enfin, y sont aussi. Et c'est quand même assez important là-dessus. Pour parler de Smart City, alors je suis sur la ville intelligente aussi, parce qu'on évolue aussi en fonction de ce que nous disent les grandes villes aussi, parce que c'est important de se servir de leur expérience. On avance, je pense que mon élu est là, il pourrait vous le dire. On avance depuis 4 ans de ça, sur ces différents projets. On arrive à avoir un socle maintenant, LoRaWAN. Je pense que certains connaissent cette partie-là. On a posé une infrastructure qui nous est propre à la ville. On a eu cette chance-là de travailler avec Jaguar Network là-dessus. Et c'est important aussi, les partenariats, quand même. Voilà. Après, on a fait pas mal de cas d'usage. On peut dire que maintenant, on est en production. On se sert des services et des usages dont on a besoin avec les services pour avancer là-dessus et pour avoir tous les cas d'usage possibles. On n'est pas sur un gadget, parce que c'est vrai qu'on parle même ce matin, il y en a qui disaient l'IoT c'est des gadgets. Non, on n'est pas dans une ville à faire des gadgets, ce n'est pas le but. Et c'est vraiment d'avoir un rendement et une créativité en mettant des nouveaux objets qui soient utiles pour tous, autant pour les administrés que pour les agents qui travaillent dans la collectivité. Est-ce que vous avez un exemple, Sophie, d'usage que vous avez mis en place de POC qui n'est pas entre guillemets gadget pour que les gens comprennent un peu? Oui, alors on a mis par exemple on a mis des capteurs dans les serres. Alors sur le coup vous allez me dire qu'est-ce que vous allez faire dans les serres? Bah, écoutez, c'était très simple, en fait ils avaient besoin de connaître la température et ça leur permettait en fait aux personnes qui travaillent dans la collectivité de ne pas venir le samedi et le week-end pour vérifier que la température était trop basse et pour pouvoir sauver leur plantation. C'en est un cas d'usage, et il y en a pas mal. Et on se rend compte que les services techniques qui, au départ, on peut dire, enfin, je reste assez ringard dans les collectivités, ils sont vraiment, enfin, ils sont friands de cette partie-là, ils commencent à dire, ah, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que tel capteur existe? Ça pourrait nous être utile. On parle de poubelles connectées, parce que j'ai un peu, on fait... j'ai un peu demandé des informations justement à Thomas Becker, c'est là-dessus, parce que c'est un réel game pour tous, quoi. Et c'est vrai qu'on passe d'une collectivité dans des services techniques à l'âge de pierre, et on va pouvoir, avec pas grand-chose, pouvoir les aider. Et là, c'est important pour nous. Mais je pense que c'est même essentiel là-dessus. Voilà, ça, c'est... il y a plein d'autres cas. Mais... Guillaume, est-ce que tu peux donner ta vision de grande ville ton retour d'expérience, en tout cas. La ville de Marseille, alors, on essaie de bannir le mot Smart City. Nous, on veut changer de logiciel en parlant plutôt de territoire intelligent. C'est lié à l'évolution de notre équipe municipale, entre autres. On est plus sur quelle ville on souhaite dans l'avenir et quelles sont les transitions qui vont l'accompagner, transition sociétale, environnementale, et que sais-je, quoi, en fait. Et les projets sont tous maintenant réfléchis autour du citoyen, de l'intégrer dès le départ, donc UI, UX, vous connaissez tous ces vocables. Et l'idée, c'est de co-construire. Alors, pour l'instant, on n'en est pas forcément au concret, on en est au démarrage de cette nouvelle approche. Et donc, d'intégrer dès le départ le citoyen, alors par de la démocratie participative, des budgets participatifs, et entre guillemets challenger le citoyen pour qu'il devienne vraiment acteur de sa ville. Les modèles que l'on regarde actuellement, je pense que certains le connaissent, c'est la ville du quart d'heure qui est entre guillemets dont le concept a été animé par Carlos Moreno, donc qui développe ce concept depuis quasiment une dizaine d'années. En tout cas, nous à la ville de Marseille, on est particulièrement sensible. Et on commence à s'expérimenter sur ce sujet-là. Alors vous avez juste un peu plus loin, sur la partie Euromètre 2,
le nouveau quartier des fabriques qui sera sur ce concept-là. Ce concept, en fait, a pour vocation de mixer les publics et les activités. C'est-à-dire que dans un même lieu où on peut tout faire à pied ou à vélo, on a son travail, son logement, les artisans, le tertiaire, les écoles, voilà. Et donc, c'est de réinventer la ville pour qu'elle soit plus agréable et, entre guillemets, se projeter sur un avenir un peu plus radieux et entre guillemets, sortir la voiture, rationaliser, remettre les choses à l'échelle et que les acteurs qui y habitent soient leurs propres acteurs de leur propre vie. Alors, quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. C'est très marketing. C'est très marketing, je suis très fort pour ça. Bon, enfin, on a comme ma collègue Sophie, eu aussi à mettre en œuvre donc des parties techniques. Hein, je dirais, on a commencé par la vidéoprotection, on a fait l'éclairage intelligent, on a fait le stationnement intelligent. Actuellement, on lance depuis cette année l'arrosage intelligent. Ça intervient aussi dans le bâtiment, parce qu'on parle de smart building. On a mis en place depuis quasiment 2 ans maintenant une gestion optimisée des différents fluides, eau, électricité et gaz, donc pour optimiser le fonctionnement des bâtiments. Et l'étape 2 qui va commencer probablement l'année prochaine, c'est de mettre de l'IoT dans les bâtiments qu'on aura ciblés, identifiés comme étant déficients, de cibler plus précisément la nature du défaut et d'accompagner justement la transition dans ce bâtiment. Dans les nouveaux bâtiments qui sont produits pour le compte de la ville de Marseille, quand on a des maîtrises d'œuvre, donc on demande bien sûr la mise en œuvre d'un certain nombre de bouquets de services. Alors c'est pas tant sur l'efficience du bâtiment, des choses que peut-être vous connaissez, la GTB, la GTC qui existent depuis, avant on n'appelait ça pas de l'IoT, mais juste de la télégestion ou de la télémétrie. Nous aussi à la ville de Marseille, ça fait 40 ans qu'on en fait, on a mis un petit mot un peu savant dessus, hein, mais ça reste la même chose. L'idée pour nous, c'est plus que le bâtiment aura plusieurs vies, il n'est pas destiné à un seul usage, et il faut que ce bâtiment puisse être évolutif et que gérer l'ossature, aussi bien physique que numérique, soit malléable, soit polymorphe, et puisse accueillir des bouquets de services ou des modes de fonctionnement différents. Et sur les bouquets de services, ils sont orientés sur les usagers pour le bien-être au sein du bâtiment, pour que gérer les gens qui travaillent dedans et des services en proximité. Alors ça peut passer par la conciergerie, ça peut passer par du partage d'espace, par du télétravail, du coworking, du Fab Lab. Voilà, on s'essaye dans ces domaines-là. On a un bâtiment qui n'est pas très loin, qui est sur le boulevard de Dunkerque, où on a déménagé l'ensemble des services de ressources humaines. Ça représente quasiment 800 personnes. Hein. C'est, oui, Marseille, tout est gros. Hein. Et quand on a rénové le bâtiment, c'est un ancien bâtiment occupé par la région, d'ailleurs. Je crois que Thomas, tu avais tes bureaux dans le passé. Et donc, on a réfléchi ces espaces-là, justement, avec des nouveaux capteurs, avec des nouveaux IoT, pour le rendre plus convivial, plus facile à vivre au quotidien. Très bien. Alors, je m'arrêtais là parce que je suis très bavard. Oui, oui, t'inquiète. Après, non, mais tout est intéressant. Hein. J'essaie de rebondir parce que chacun m'a dit à peu près les sujets, mais évidemment, il y a des sujets qui seront abordés par d'un et qui seront abordés par d'autres. C'est pas un souci. C'est riche aujourd'hui, donc c'est hyper intéressant d'avoir des visions très différentes par rapport à la taille de la structure et avoir des visions locales ou internationales. Thomas, en tant que métropole, par rapport à des villes, bon, même si on sait que les prérogatives ne sont pas forcément les mêmes, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une cohérence sur une métropole par rapport à des usages. Comment ça se passe aujourd'hui, en dehors de vos prérogatives? Est-ce que vous travaillez en commun? On est un territoire qui est beaucoup plus jeune que les autres, et donc la métropole existe depuis pas très longtemps, donc on part plus tard que nos petits camarades sur le sujet de la Smart City ou du territoire intelligent. Et finalement, c'est plutôt un avantage pour nous parce qu'on prend le temps de tirer profit des réussites et des écueils aussi des premières générations de programmes Smart City. Et donc, on a pris une petite année pour travailler le montage d'un projet dit préfiguration de la Smart Métropole. Évidemment, aller chercher une enveloppe budgétaire pour pouvoir réaliser ce projet et puis aller chercher des sujets dans les directions métiers. Et donc dans le champ des compétences de la métropole sur le sujet de la Smart City.
Donc on s'apprête à lancer un marché et un programme de Smart Métropole, de préfiguration. Pourquoi préfiguration? Parce que on reste dans une courbe d'apprentissage. Je pense que tous, autant qu'on en est territoire et industriel ou fournisseur, on est sur un vaste terrain plutôt de l'ordre du Far West que d'un domaine très, très défini. Et y a un volet... Il y a un volet absolument passionnant là-dessus, mais bon, il faut effectivement quand même parler retour sur investissement, champ de compétences, et évidemment pas faire n'importe quoi. On a identifié 5 sujets à travailler, nous, en matière de Smart City, qui sont plutôt une démarche opportune au sens où c'est les directions métiers qui ont bien voulu jouer avec nous qui sont les premières identifiées. On a choisi d'aller mesurer des niveaux de remplissage dans les points d'apport volontaire dans le cadre des déchets, donc un cas d'usage qui est aujourd'hui très bien maîtrisé, d'aller mesurer des niveaux de bruit en lien avec l'Observatoire du bruit et la stratégie de l'environnement, d'aller mesurer du trafic vélo en lien avec le plan de déplacement urbain de la métropole, d'aller mesurer des niveaux d'eau et la qualité des eaux dans le cadre d'une compétence qui s'appelle la compétence GEMAPI, sur la gestion des risques d'inondation notamment. Et puis de manière optionnelle, on ira aussi peut-être travailler le sujet de l'éclairage intelligent. Et à travers donc ce marché qui va être associé à la démarche de préfiguration, on ne s'interdira pas d'aller chercher d'autres cas d'usage et d'autres typologies de capteurs. Après, comme on part plus tard que les autres, il y a eu quand même aussi un peu de prise de recul sur ces questions d'IoT et de techno first dans les démarches. Donc à côté de ça, pour nous, la notion du territoire intelligent, c'est aussi la question de l'innovation. Et donc on a un autre petit projet, je dis petit projet parce qu'il nous a coûté, en tout cas il risque de nous coûter beaucoup moins cher que celui de la Smart City, qui est celui de la mise en place d'une plateforme d'innovation sur laquelle on va aller travailler le sujet du rapprochement entre les besoins métiers de la collectivité et des grands donneurs d'ordre et les offreurs de solutions innovantes du territoire ou d'ailleurs. Ce petit projet, il est né de l'opportunité de la crise sanitaire et économique. Il ne nous a pas coûté très cher puisque c'est un projet qui nous a coûté 25 000 euros en mise en place. Et finalement, il a bien pris et il nous permet d'aller travailler avec les directions métiers le sujet de l'innovation au sens large. On a une quinzaine d'appels qui ont été publiés sur cette plateforme. Et pour nous, c'est une vraie démarche très complémentaire qui rentre complètement dans le sujet du territoire intelligent et qui, pour le coup, n'est pas liée à de la technologie, mais vraiment liée à des questions d'usage, notamment à des questions d'achat innovant et de manière de contractualiser entre les offreurs de solutions innovantes et les donneurs d'ordre. Et c'est pas simple, c'est un sujet qui est complexe. On a eu la chance de le travailler avec la direction des achats et du juridique qui joue vraiment bien le jeu chez nous, ce qui est assez rare, donc on le souligne, et de sortir donc une quinzaine d'appels. Donc ce sujet pour nous, il est aussi important à côté du travail de fond qui risque de prendre du temps. En tout cas pour nous, on se donne 2-3 ans pour réaliser les cas d'usage que j'ai cités tout à l'heure. Donc voilà, il y a deux volets, l'usage avec la plateforme d'innovation et puis le projet de préfiguration de la Smart Métropole. Sur la question des niveaux territoriaux, évidemment, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on mutualise les outils. C'est des choses qui ont déjà été faites sur des questions de données, de plateformes de données. Donc, on sait le faire, c'est possible. C'est à nous de nous mettre en ordre de marche pour au moins mutualiser les outils et si possible, mutualiser les cas d'usage, sachant qu'on a des compétences qui sont complémentaires. Et donc, ça tombe bien, on devrait pouvoir avoir des démarches qui sont complémentaires. Mais je pense qu'on a encore tous du travail à faire sur cette question de la coopération entre les différents échelons territoriaux. Oui, ça, c'est un vaste sujet en France. Hein. Je ne pense pas qu'en France, mais en France, on le voit avec les différentes prérogatives et compétences. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que chacun avance à son rythme, mais en tout cas que ça avance. Enfin, je dirais quelques années... on n'aurait pas pu dire ça, c'était beaucoup de POC, plus gadget que fonctionnel. Donc c'est en ça où c'est hyper intéressant de voir aussi que la métropole, même si l'arrivée est tardive, elle avance sur ces sujets-là. On espère tous une complémentarité hein, pour nos impôts. Je pense qu'on sera tous intéressés et ce sera plus pertinent. Et en tout cas, ça permettra de toucher plus de sujets aussi, même si on sait que c'est toujours complexe. Est-ce que la métropole a prévu les trafics? C'est juste une privée de jeu que j'ai eue dans une première conférence. Cela, je note particulièrement qu'en ce moment, sur les axes routiers vers Marseille et vers la métropole, le taux d'accident a augmenté ces derniers mois. Et c'est vrai que ça paralyse énormément la ville, comme on a rarement connu ça.
Alors c'est un beau sujet. On a en tout cas une convention signée avec Waze, donc on a accès au réservoir de données de Waze sur les questions de mobilité. Et on est en train de travailler avec Stéphane du service Smart Territoire qui est là avec nous, un appel à solution sur la question des données de mobilité pour aller acquérir des données donc dites de mobilité GPS qui peuvent être issues de sources très hétérogènes aujourd'hui. On a des opérateurs, par exemple, voilà, pour ne pas les citer, comme Orange, qui vont offrir des solutions de mise à disposition de données de mobilité. Mais on a de nouvelles solutions qui sont basées sur les applications aussi qui peuvent le faire. On a des solutions qui sont basées sur des sniffers Wi-Fi qui peuvent le faire. Et donc, on souhaite lancer un appel à solutions pour aller investiguer le champ des possibles en termes d'acquisition de données de mobilité pour être un peu moins aveugle sur ces usages multimodaux. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même très complexe d'agréger ces données. Évidemment, les GAFA sont très loin devant nous sur ce sujet. Il faut qu'on se réapproprie ces données ou qu'on collabore avec eux pour le faire. Mais en tout cas, il faut qu'on commence ce travail. Et donc, on a souhaité le faire à travers un premier appel à solutions sur les questions de données de mobilité. La mobilité étant un vaste sujet de notre métropole, hein, entre nos territoires, entre ceux qui veulent se déplacer ou pas et ceux qui peuvent se déplacer. Mais en tout cas, c'est très... Ça va dans le bon sens, on le sait, on a des axes qui sont quand même très... qui ne permettent pas de passer d'un axe à un autre facilement et donc qui sont très bloquants quand il y a un accident notamment. Et donc c'est vrai que plus en plus on arrive à mixer ça avec les autres mobilités, on en parlera dans une conférence après, ça sera d'autant mieux pour notre territoire qui est en pleine révolution et évolution sur ces sujets. Est-ce que Isabelle est avec nous? On a vu la vision locale au niveau de nos territoires. Au niveau Wallonie, comment ça se passe la Smart City? Est-ce qu'on est sur des cas comme expliqué par nos différentes représentativités de communes et de métropoles? Premièrement, nous sommes partie de l'agence qui en Wallonie coordonne les différents acteurs en souhaitant rapprocher l'offre et la demande. Alors, une première chose importante, c'est que donc la Wallonie, c'est la taille d'une métropole et d'emblée, on s'est positionné en disant on ne va pas passer par une approche top-down, mais bien bottom-up. Et donc, il faut absolument partir des besoins des acteurs du territoire qui doivent garder la main sur les actions, parce qu'on a besoin donc de gens qui connaissent bien leur territoire pour pouvoir avoir un succès au niveau du territoire intelligent qu'est la Wallonie. Alors oui, évidemment, on pouvait agir, par exemple, au niveau du cadrage, au niveau de l'accompagnement. Alors c'est certain, donc on a toujours un respect à avoir des différences au sein même d'un territoire. Ce qui est très important aussi, c'est que si on donne des éléments de cadrage, notamment en termes de données, en termes de cahier des charges, en termes de solutions, par exemple, on a fait une charte Smart Région où on a dit, voilà, on va partir d'une approche projet. Ce qui est très important, c'est que à la fois dans les cahiers des charges des donneurs d'ordre locaux et à la fois dans les prestataires, les fournisseurs, tout le monde doit se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des éléments clés qui doivent permettre une réplicabilité des projets. Et ces termes clés sont l'interopérabilité et l'ouverture, que ce soit des solutions ou de la donnée. À partir du moment où on était d'accord là-dessus, il fallait donc travailler pour que chaque acteur du territoire apprenne à pêcher. Donc, de nouveau, on ne leur donne pas du poisson, on leur apprend à pêcher. Et donc, on regarde autour de nous quelles sont nos forces. On a fait appel à ce qu'on appelle des référents. On a par exemple le Smart City Institute à qui on a demandé de faire des guides de management de projet. On a d'autres qui ont édité des ateliers pratiques d'ouverture à la donnée. On a des universités, des centres de recherche.
tous ces gens ont travaillé de manière à donner des armes à des collectivités locales qui n'ont pas les moyens pour la plupart d'avoir en interne des ressources humaines ni en quantité ni en compétences pour mener à bien de tels projets, mais c'est important donc qu'elles puissent s'en saisir. On a également donc dû mettre en place des actions pour permettre l'accompagnement par des tiers pour le suivi des projets. Et puis, bien sûr, on a commencé à lancer des appels à projets. Donc, toujours dans cette approche projet pour avoir des cas d'usage. Et on devait faire aussi ces appels à projets de manière à développer donc des pilotes pour permettre d'avoir de réelles chaînes de valeur. Parce qu'on parle aujourd'hui IoT, smart building. Moi, je rejoins aussi certaines remarques. L'infrastructure, ça n'est jamais le problème. Oui, on en a besoin, mais l'important, c'est la construction de la chaîne de valeur, parce qu'au final, il faut avoir quelque chose de fluide au niveau de la collectivité pour qu'elle puisse analyser, faire de la prospective, utiliser la solution sans que ça rajoute une énième plateforme. Il faut que ça soit fluide avec l'approche métier existante et croyez-moi, c'est loin d'être simple. On a des fournisseurs de solutions, on a des fournisseurs donc de solutions de transformation numérique ou de solutions métiers pour les collectivités publiques et locales. Et puis on a aussi d'autres briques, la connectivité et également tout ce qui est application et ce qui permet d'être en lien direct avec le citoyen qui doit être en effet le plus participatif possible. Alors tout ça fait que pour chaque projet identifié, parce qu'on part bien donc du projet, on part bien d'un besoin identifié sur le territoire, on doit donc faire en sorte que les différents prestataires puissent se réunir en tant que partenaires au sein de cette chaîne de valeur et donc ne pas pré-choisir ou fonctionner avec un seul prestataire parce que les expériences, notamment à l'étranger, nous ont montré que ça ne fonctionnait pas de manière optimale. Alors, un dernier élément sur lequel on a, nous, insisté, c'est le niveau supracommunal. Donc, on a par exemple des intercommunales de développement économique, des provinces chez nous, etc., qui ont elles-mêmes des stratégies territoriales et qui permettent d'apporter le dernier maillon dans cette cohérence, parce que c'est un niveau, à notre avis, donc supralocal, qu'il faut organiser les plateformes de données. Le cœur actuellement du territoire intelligent, c'est bien cette construction de la donnée, en laissant la souveraineté de la donnée auprès, au sein des différents acteurs du territoire, mais en faisant en sorte que ça s'agrège sur une plateforme déjà à un niveau supralocal, qui lui-même s'agrège à un niveau régional, qui idéalement ira jusqu'à un niveau européen. Et tout ça, ça demande donc évidemment beaucoup de coordination, beaucoup en effet de partage, donc au niveau de l'agence du numérique, moi je m'occupe un peu de cette animation régulière pour mettre ensemble les différents acteurs et que ce que l'un fait serve à l'autre. Les supra-localités, les intercommunales sont aussi très importantes parce qu'on les a chargées d'organiser différentes centrales d'achat. Donc ça veut dire que quand une commune, une ville a abouti avec un projet Smart City, il faut donc pouvoir partager les cas d'usage, les API et toutes les solutions, les cahiers des charges, etc. auprès de celles qui souhaitent répliquer ça. Et donc, on a ce type d'acteur qui pour nous est très important, d'autant que en Wallonie, nous, on a 262 communes. Et si on a sur les deux doigts de la main la possibilité de compter des villes, les autres communes sont des communes plutôt rurales et de petite taille. Donc ça, c'est un autre élément que je voulais aussi mentionner aujourd'hui. Je m'inscris en faux si on s'imagine que cela ne concerne que les grandes villes, certainement pas. Cela ne concerne pas non plus que le smart building. Alors oui, comme c'est en France, le smart building
à 9 ans pour l'avance, parce que le secteur de la construction a toujours su s'organiser, bien structuré et nombreux, donc à anticiper l'innovation, les architectes, les urbanismes, etc. Mais ça ne suffit pas. Donc, de nouveau, on repart des besoins et on voit ça dans un parcours par rapport à un citoyen, par rapport à un touriste. Donc, on a, nous, des projets qui partent pour certains de la mobilité douce, qui touche au commerce, à la logistique, mais qui au final donc doivent se retrouver au niveau de données qui doivent pouvoir ensuite être croisées, parce que les usages aujourd'hui ne seront pas les usages de demain, parce que l'innovation d'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas toutes ces données, on ne peut pas l'imaginer, parce que les nouveaux croisements avec des données publiques, tierces, mobiles, issues de capteurs, de caméras, etc., vont encore donner d'autres choses. Donc, pour nous, c'est la responsabilité d'une métropole ou d'une région de faire en sorte que l'ensemble de ces données remontent pour pouvoir piloter utilement la suite, mais les projets donc doivent rester donc la paternité des différents acteurs du territoire, doivent être réplicables, et donc c'est au niveau de la coordination qu'il faut être important, qu'il faut mettre l'accent, toujours dans cette approche, donc j'insiste, bottom-up et pas top-down. Voilà, il y a beaucoup d'éléments. Merci Isabelle pour toutes ces infos et cette vision globale au niveau Wallonie. Donc là, il y avait de l'existant et du futur, j'imagine. Tout n'existe pas encore dans le partage de données entre les différentes villes. Là, c'est le cadre que vous avez donné que suit la Wallonie, c'est ça? En fait, nos amis de l'autre partie de la Belgique, ça fait 3 ans qu'ils sont occupés à discuter activement pour définir les différents champs, etc. Mais derrière, il n'y a aucune alimentation parce que les projets concrets ne suivent pas, sauf dans les très grandes métropoles qui généralement choisissent des solutions propriétaires et qui risquent donc de ne pas pouvoir être exploitées à un niveau régional, et c'est d'ailleurs le cas chez eux. Donc nous, non, on est parti en disant on va à chaque fois voir où sont les besoins et lancer des appels à projets, parce que il ne faut pas oublier que la donnée, c'est quelque chose qui ne parle pas aux mandataires, donc aux donneurs d'ordre dans les pouvoirs locaux et publics, d'autant plus que ce que nous avons, nous, c'est une directive européenne qu'on a tous peiné à transposer. Et comme je dis souvent, mais il n'y a pas de carotte, il n'y a pas de bâton, donc ça n'avance pas. Le RGPD, il y avait un bâton, donc elles s'y sont toutes plongées, mais avec un effet pervers par rapport à la Smart City et les craintes par rapport à la vie privée, à la sécurité, etc. La donnée de la Smart City, c'est autre chose, c'est vraiment porteur de valeur, mais comme il n'y a pas d'incitant, c'était difficile à comprendre auprès de nos mandataires d'investir en ressources humaines, en moyens financiers, etc., dans cette partie-là, tant qu'on n'en avait pas l'exemple concret de l'importance. Et en lançant les projets concrets donc sur des besoins identifiés pour le citoyen ou d'autres acteurs, ils ont compris qu'un projet Smart City était alimenté par des données, générer des données, donc il y avait ce besoin d'organiser les choses. Et là, à partir de chacun des projets, ils se sont aperçus que, par exemple, si on prend un projet mobilité, ils allaient dans le département mobilité de la commune, il y avait par exemple 3-4 personnes qui travaillaient dans un bureau, qui utilisaient chacune un fichier Excel avec des champs différents, etc. Et puis là, elles tombent de haut parce que elles s'aperçoivent donc que déjà en interne, il n'y a pas de coordination. Et puis après, donc, il faut travailler pour faire en sorte qu'au moins au niveau local, ça fonctionne, puis au niveau supralocal, où généralement on a des projets de multimodalité intéressantes qui s'organisent, et puis à un niveau régional, on a aussi la province, etc., parce qu'on a des routes, des autoroutes qui appartiennent à différents niveaux de pouvoir. Et donc, tout ça, c'est en cascade. Il n'y a pas de recette miracle.
Ça se fait étape par étape, mais je vous dis toujours en fonction des différents projets, petite brique après petite brique, pour essayer d'aller, en tout cas notre ambition c'est d'ici 2024, à des projets de jumeaux numériques pour une Wallonie jumeaux numériques. Voilà. Merci Isabelle pour ces échanges. On voit que c'est aussi complexe au niveau des strates en Belgique qu'en France. Et que effectivement, ça peut paralyser les avancées. Caroline, vous qui avez une double casquette, hein, parce que vous faites partie de Sopra, donc vous avez des activités liées à la Smart City, mais à côté, vous avez une activité blog autour de tous ces sujets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec la vision wallonne, la vision, on va dire, de notre territoire, et puis la vision globale que vous en avez, un peu de la Smart City et de la complexité de mettre en place tout ça. Alors merci Vincent. Alors c'est pas blog, c'est podcast, oui, mais podcast, effectivement on n'est pas loin. Donc c'est le podcast Felicity. Alors plusieurs choses. Déjà peut-être pour rebondir sur le thème du transport qui a été abordé par plusieurs d'entre vous, et également pour rebondir sur la nécessaire coopération à venir ou en cours entre les différents acteurs que vous avez mis en place à l'échelle du territoire. Je peux témoigner pour Soprasteria du projet Commut qui a été mis en place de manière conjointe dans le cadre d'un partenariat public-privé entre Soprasteria, l'aéroport de Toulouse, la société Airbus, la métropole de Toulouse qui était également partie prenante, avec l'objectif d'optimiser le flux de trafic, et en particulier d'où le nom du projet de trafic journalier pour se rendre sur son lieu de travail sur la zone d'activité autour de l'aéroport. Et donc ce qui a été mis en place dans le cadre de ce projet, c'est à la fois une plateforme, mais vous le dites tous, la plateforme aujourd'hui, c'est finalement pas tellement la problématique, mais c'est surtout la gouvernance autour de la plateforme pour que les données soient collectées via de l'IoT, mais que surtout il y ait des solutions qui puissent être mises en œuvre, qui sont des solutions qui sont relayées dans chacun des domaines de compétences des partenaires de ce projet. Donc évidemment, les solutions de covoiturage, par exemple, ont été poussées à la fois par les entreprises, par la métropole, par l'aéroport, et avec une solution unifiée et avec un impact qui a été aujourd'hui, 3 ans après le démarrage du projet, de 133 000 trajets effectués en covoiturage, avec un impact environnemental, un impact moins sur la congestion, parce que le report intermodal n'est pas si simple que ça, mais néanmoins un impact très, très fort. Et puis d'autres expérimentations mises en place également dans le cadre de ce projet. Et donc on retrouve un certain nombre de points que vous avez soulevés et qui sont également évoqués par les personnes que je peux interviewer dans le cadre du podcast, qui sont la notion d'expérimentation. Et finalement, je me demande si la Smart City de demain, et je comprends la réflexion de la ville, de la métropole qui cherche à moins utiliser ce terme, c'est pas plutôt une notion de ville apprenante et une notion de ville qui va chercher à aller vers la ville de demain et à accompagner ces transitions, en particulier la transition environnementale, de manière conjointe avec les autres acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, et à apprendre de chaque expérimentation et à apprendre aussi à l'échelle d'un territoire. Donc globalement, c'est ça qui se dégage. Et puis sur la dimension internationale, vous en avez parlé aussi, le fait d'associer le citoyen dès le début des expérimentations. Pour quiconque s'intéresse au domaine de la Smart City, vous avez évidemment entendu parler du projet de Sidewalk Labs, qui est une filiale de Google qui visait à aménager Quayside à Toronto. Et puis le projet n'a pas abouti, malgré plein de choses intéressantes, mais en particulier parce qu'il a généré beaucoup de craintes. À tort ou à raison, c'est un autre débat,
pas, mais beaucoup de craintes en tout cas, des usagers, des citoyens autour de la collecte de données, de l'usage que pourrait faire Google de ces données. Et donc on voit que quand on parle d'IoT, quand on parle de Smart City, bah, c'est important de réussir à embarquer le citoyen. Et juste pour terminer mon propos et reboucler également avec madame qui parlait de jumeaux numériques, les modèles que je vois émerger sont des modèles de pilotage de la Smart City, mais surtout qui permettent d'associer, d'être transparent par rapport aux décisions qui sont prises, c'est-à-dire d'avoir des modélisations de données qui permettent d'associer le citoyen. Je pense en particulier à un modèle qu'a développé le MIT sur une table finalement avec un modèle interactif où vous allez déplacer des Lego et où vous allez voir l'impact en temps réel de ce que vous déplacez, que ce soit des arrêts de bus, que ce soit des bâtiments, et ça permet de rendre extrêmement ludique et simple finalement l'appréhension des choix et d'associer plus largement autour du sujet, d'en faire quelque chose qui ne soit pas uniquement un sujet de spécialiste, parce qu'on se rend compte que les projets qui échouent, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas associé suffisamment, et c'est moins des échecs technologiques que des échecs en termes de gouvernance et d'association des usagers. Et puis pour terminer sur la dimension internationale, je vous invite, si vous êtes intéressé par des retours d'expériences internationaux, d'une part à aller écouter ou lire ce qu'ont fait deux étudiants l'année dernière, que sont Benoît Gufflet et Dimitri Kremp, qui ont fait un tour du monde des villes intelligentes, ils n'appellent pas ça volontairement des Smart City, qui ont fait un tour du monde des villes intelligentes et qui en ont ressorti justement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc ils sont, c'est l'épisode 1 du podcast Felicity, mais vous pouvez aussi les retrouver sur leur site Across the Block, avec un rapport qu'ils ont réalisé qui est extrêmement intéressant, de multiples villes dans les différents continents, pour aller au-delà du fantasme de Smart City et être plutôt, encore une fois, sur des notions de territoire apprenant. Voilà. Merci Caroline. Je vous conseille vraiment le podcast Felicity. C'est comme ça que j'ai découvert Caroline, parce qu'on ne se connaissait pas alors qu'elle est ici, qu'on est ici. Et finalement, il y a 17 épisodes, et vraiment très accessibles, voilà, et sur des sujets très, très, très différents. Donc c'est vraiment avec des experts à chaque fois au top. Donc franchement, bravo pour mettre en avant ces usages. On voit que c'est de la complexité. Hein. Caroline parlait du déplacer, mais là, quand on déplace des choses, on touche à la ville, on touche à la métropole. C'est des vastes sujets avec les compétences de chacun. Avant de passer au bâtiment, Dominique, Michel, la connexion que essaie de faire Made in Soft dans la commission entre les acteurs locaux et les acteurs de l'innovation, en dehors de faire des expérimentations. Quels sont les objectifs? Parce que c'est vrai que c'est très complexe pour des collectivités qui ne sont pas forcément non plus experts dans tous les domaines techniques, parce que là, des fois, on embarque très très loin. Ça dépend les collectivités. On le voyait, quand on fait un choix technique, en termes de base de données, on peut se restreindre à certaines choses et en tout cas, à ne pas étendre sur d'autres services. Quels sont les objectifs pour Made in Soft, pour fournir, on va dire, faciliter la vie, on va dire, de nos collectivités? En fait, on essaye d'être le plus opérationnel et le plus pragmatique possible dans notre approche. Donc, lorsqu'on se réunit, on parle vraiment de cas d'usage, on rentre dans le détail, comme je le disais tout à l'heure, de ceci. Et on parle aussi POC et industrialisation. C'est vrai qu'il y a une démarche incontournable pour pouvoir réussir la mise en place de tous ces projets. Et il y a une méthodologie projet. On ne peut pas faire l'impasse sur certaines étapes de départ pour réussir.
et il est absolument incontournable de regarder les enjeux, les objectifs, les priorités et de faire au préalable une étude d'impact, un diagnostic et de savoir exactement comment on va s'y prendre. Ce sont toujours des projets qui sont à long terme, comme vous on l'a tous un peu dit, qui impactent beaucoup de personnes. Et donc, ce sont effectivement ces sujets qui méritent d'être partagés. On l'a dit également, co-construits de manière à ce qu'il y ait vraiment une adhésion, une implication des citoyens. L'objectif, ce ne sont pas des projets technologiques, ce sont des projets d'usage, en fait. On est dans de la transformation et le changement des habitudes prend du temps et il est nécessaire d'impliquer les personnes de manière à ce que les usagers voient le sens que ça peut avoir et s'approprient ces sujets pour pouvoir en faire des réussites et non pas des essais technologiques qui derrière vont faire plouf. Donc pour ceux qui ne savent pas, dans la commission, il y a plusieurs acteurs hein, de l'innovation qui sont réunis régulièrement. C'est complètement ouvert, donc de nouveaux acteurs peuvent arriver au contraire. Hein, plus il y en a, mieux c'est pour avoir le plus de cas d'usage. On a avec nous Dominique, qui est un expert du bâtiment depuis de nombreuses années. Il nous expliquera un peu son parcours. Guillaume a un peu parlé de ce qu'on peut faire dans les bâtiments. Dominique, peux-tu nous donner... Enfin, dans un territoire intelligent, il y a des bâtiments. Il faut qu'ils vivent aussi avec le citoyen. Il faut qu'il y ait un vrai usage du citoyen qui appartient à ce bâtiment et même des autres citoyens qui passent à côté. Peux-tu nous donner... Enfin, un peu d'historique et puis ta vision voilà, de toute cette partie smart building qui est en train d'accélérer avec les nouveaux usages. Je ne sais pas si l'historique sur mon parcours professionnel est intéressant aujourd'hui, mais en tout cas, on voit le bâtiment comme un bâtiment de service. Je pense que ça a bien été dit ici. Building as a service, comme on dit en anglais. L'IoT est bien évidemment ce qui permet de capter la donnée et de gérer la donnée. Au-dessus, on a ce qu'on appelle les Building Operating Systems. Et au-dessus, il y a donc ces plateformes de services comme par exemple Intent Technology de notre collectif SBLM le fait. Mais la problématique, en fait, si on revient à la construction dont on a parlé, c'est pour nous et pour moi la problématique de la continuité de la donnée du début du cycle du bâtiment jusqu'à la fin du cycle du bâtiment. Hein, si on prend l'ensemble des phases, hein, programmation, conception, construction, commercialisation, gestion du patrimoine immobilier et déconstruction, où est aujourd'hui la continuité et la fiabilité de cette donnée de A à Z? À mon sens, il n'y en a pas. Je le dis parce qu'en fait, il y a 35 ans, j'étais le président fondateur d'une société qui a développé le premier logiciel de CAO 3D volumique paramétrique au monde, qui s'appelait Architrion, et que donc on a contribué, je pense, assez largement à ce qu'on appelle le BIM aujourd'hui. Donc le BIM a été inventé par des Français, je vous le dis, mais en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, 35 ans après, que cette 3D, cette maquette numérique, qui ne comprend d'ailleurs pas l'ensemble des données nécessaires à un projet, eh bien, elle ne permet pas la continuité de l'information. Et ça, c'est la vraie problématique, parce que dans la phase acte de construire, où il y a énormément d'intervenants, comme vous l'avez dit, eh bien, on oblige aujourd'hui les gens à collaborer, sous le terme BIM, forcément à travers la maquette numérique. Alors, si je prends la personne de la CAPEB du coin, eh bien, je suis désolé, elle n'est pas à même de travailler en 3D sur la maquette numérique. Donc, 80% aujourd'hui des intervenants de l'acte de construire sont exclus de l'aspect collaboratif qu'il devrait y avoir aujourd'hui pour réellement avoir une continuité et une fiabilité de la donnée. Donc, la problématique, elle vient de la source. Et bien évidemment, beaucoup d'initiatives ont été faites, vous l'avez expliqué, sur la Smart City, la mobilité durable, enfin, tout ça fait partie de la Smart City. Mais si on n'a pas réellement et fondamentalement cette
possibilité de collaborer dès l'acte de construire au niveau de la donnée sur l'ensemble des intervenants de l'acte de construire, il me semble difficile à terme d'avoir cette, sur le cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, qui d'ailleurs font partie donc bien sûr de la collectivité et de la ville durable, bien d'avoir une donnée fiable et pérenne et qui puisse être intelligible et utilisable, surtout démocratique par rapport à l'ensemble des intervenants. Donc je pense que la problématique, elle est là. On essaie, nous, à notre petit niveau, avec ESBLM, qui est en fait un groupement, une initiative d'entrepreneurs experts du sujet sur les différentes phases du cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, de faire bouger les lignes. Et on est content d'être invité aujourd'hui par Vincent pour pouvoir exposer ça. Merci Dominique. On voit tous les sujets sont un petit peu pareils, sur la continuité de service, de la donnée, du service pour le citoyen, mais aussi pour la maintenance. C'est vrai que le bâtiment est assez particulier dans sa façon d'être construit, vendu, utilisé, maintenu, réutilisé, selon Guillaume parlait de la transformation aussi de certains bâtiments qui changent de direction à la fin et d'usage. Et c'est vrai que tout ça revient au fait que, au démarrage, on n'a pas des objectifs communs sur cette gestion de la donnée, sur cette utilisation de la donnée. Alors, le BIM est une évolution, mais aujourd'hui, ceux qui devraient l'utiliser, effectivement, soit ne savent pas l'utiliser, soit plutôt freinent à cet usage parce qu'ils ont un raisonnement de centre de coût et pas de centre de profit, parce qu'eux ne sont que sur une partie de vie du bâtiment. Et c'est un peu pareil, on va dire, dans les usages de Smart City, où on se rend compte que les objectifs de la ville ne sont pas forcément ceux du citoyen, ceux du promoteur. Voilà, donc c'est vrai que c'est des vastes sujets, on ne les résoudra pas aujourd'hui, je ne pense pas. Si vous avez encore 5 heures, peut-être qu'on y arrivera. Voilà, donc l'objectif de cette conf, c'est un peu de mettre en avant ce qui avance, les complexités, les objectifs aussi, d'essayer... Je sais que c'est un des sujets que Kevin Polizzi veut porter au sein de Made in Soft, c'est de mutualiser, de créer une plateforme de données mutualisées pour... Parce que notre grande problématique en France, c'est pas d'être intelligent et de fabriquer des algorithmes, mais c'est plutôt d'avoir de la donnée et assez de données pour que nos algorithmes soient bons. Et donc je sais que c'est un des sujets que veut porter Kevin au sein de Made in Soft, si tu peux nous en dire deux mots. C'est un vrai enjeu, effectivement, la donnée, à la fois sa qualité et sa quantité, et aussi pouvoir l'agréger de manière à ce que chacun des prestataires, chacune des personnes qui va devoir aller la chercher puisse avoir la bonne donnée en temps réel et qu'elle soit assez nombreuse aussi. Parfois, on manque de match sur ces données-là. Donc oui, c'est un enjeu fondamental. Je reviens également sur ce que tu disais, sur ce qu'on a un petit peu tous dit. Il faut vraiment qu'on se dise qu'aujourd'hui, on a passé une première étape où on parlait de Smart City, mais on ne savait pas trop de quoi on parlait. Il n'y avait pas assez de cas d'usage pour pouvoir s'affranchir de ça et avancer. Aujourd'hui, on connaît en fait tous ces sujets. On sait ce qu'ils apportent. On les a listés. Ils sont mis en place et ils existent dans différentes villes. L'enjeu, c'est de réussir chacun à son niveau, de pouvoir monter une marche à la fois sans vouloir avoir des objectifs qui soient irréalisables. Et de vraiment créer ces synergies pour avancer avec du bon sens, en fait. Ça semble parfois évident de le dire, mais c'est tellement vrai. On dirait du partage aussi. Le partage est essentiel pour justement amener à bien ces villes intelligentes. C'est ce qu'on essaye de faire avec Michel et avec tout le groupe qu'on est, c'est essentiel en fait. Oui, c'est comme à citer, c'est rare que des clubs de DSI travaillent en commun, surtout avec des compétences différentes. À notre niveau, c'est facile parce qu'on est, on n'est pas forcément dans le portage du projet. Donc, en fait, j'aimerais recentrer un peu le débat, c'est que on a parlé beaucoup de technologie, etc. La réussite de la transformation, de notre cité, c'est avant tout une envie politique. Une gouvernance ou des gouvernances unifiées, parce qu'on est pluriel sur notre territoire. Et ça, c'est un enjeu extrêmement fort. Et on a compris que pour même à l'étranger, en Wallonie, c'est pareil. C'est où trouver,
gérer les minimums produits communs pour qu'on puisse travailler ensemble et de regarder tous dans le même axe. Parce que quand on transforme une ville, ou on parlait de bâtiments aussi, on se projette sur du long terme. Et donc, et ça dépasse largement le calendrier politique. Et c'est une vraie difficulté dans le pilotage, dans une stratégie de territoire intelligent, quand on a des échéances qui s'entrechoquent et qui mènent des à-coups sur les projets, c'est difficile de garder un cap. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point que je voulais souligner, ça a été dit de nombreuses fois, c'est autour de la donnée. Quoi qu'il arrive, tout tourne autour de la donnée. Quoi. C'est, le sujet, c'est la donnée. C'est rien d'autre. Hein. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, qu'on agisse, on crée de la donnée, qu'elle soit formelle ou informelle. Et l'idée, c'est de, à partir de, on a parlé de, donc d'infrastructures, de plateformes de données, de plateformes de services, etc. L'enjeu, c'est vraiment comment faciliter la circulation de cette donnée-là. Comment elle peut servir à pouvoir plusieurs vies selon les thématiques, parce qu'une donnée, par exemple, de mobilité peut servir dans d'autres domaines. Et une donnée environnementale peut servir le domaine de la mobilité. Et j'irai, entre guillemets, au moment où j'irai notre collègue de Wallonie, il a très bien dit, à un moment donné, on connaît l'usage ou le cas d'usage par rapport à la donnée, mais on n'est pas capable de préfigurer ce que sera la suite. Et donc, le travail sur la souveraineté, l'interopérabilité, la sécurité, j'irai donc de la donnée, c'est un prérequis de base pour pouvoir ensuite avoir un terrain de jeu et imaginer des nouvelles façons de concevoir l'avenir. C'est un bon point à souligner, notamment tu parlais entre la politique et on va dire le travail des villes qui se construit à 10, 20, 30, 30, 40 ans. C'est vrai que c'est un vaste sujet, il va falloir un moment résoudre. Voilà, sur du travail en commun, sur des conventions lointaines, plutôt que, comme tu dis, par moment, travailler en mode... Il y a des raisons, hein, là-dessus, on n'est pas là pour juger, il y a des bonnes et des mauvaises raisons, là-dessus, ce n'est pas le souci, mais on voit que la problématique, tous les blocages, sont liés à ces différentes strates, à ces différentes données, et à un moment, le travail collaboratif que vous faites, notamment entre DSI, peut-être qu'il va falloir à un moment avoir une strate intermédiaire qui soit peut-être pas politique ou autre, qui permette un gain pour les collectivités et même pour les entreprises privées. Parce que là, on parle de Medinsoft qui anime des acteurs du territoire, hein, qui sont plutôt des acteurs actifs. Après, on a des acteurs qui sont plus des fournisseurs de solutions. On verra après Christophe un peu ses problématiques qu'il a à vendre ses solutions globalement autour de la Smart City. Et comme ça, vous aurez aussi un échange d'offres de solutions. C'est vrai que ça s'accélère, on le voit. Hein. Je pense que dans un an, on fera tout à l'heure un point comment vous voyez dans un an la Smart City, en tout cas à votre échelle. Ça avance, mais c'est vrai qu'à cette vitesse-là, on va peut-être prendre énormément d'années pour vraiment accélérer. Donc il va peut-être falloir avoir un grand état des lieux et de la métropole, mais même d'autres territoires. Hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir cette problématique-là. Quels que soient les territoires, même les territoires unifiés, on l'a vu à une époque, on était tous de la même couleur sur toutes les villes et la métropole, ça n'empêchait pas qu'il n'y avait pas des objectifs communs par moment, hein, on ne citera pas de nom, mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à se projeter, que ce soit au niveau du bâtiment, au niveau de la ville, au niveau de la mobilité, voilà, on touche un peu à tout, hein, les autoroutes, voilà, c'est du national, mais ça, voilà, c'est encore un vaste sujet, on pourrait en parler pendant des heures. Clairement, merci pour ces échanges. Christophe, est-ce que tu es... Tu nous entends ? Oui, je suis là. Okay. Oui, très bien. Est-ce que toi, à ton niveau, alors là, l'objectif, c'est pas de dire c'est compliqué de vendre, entre guillemets, aux villes, aux acteurs de l'innovation. C'est quoi la vision en tant que fournisseur de... On sait, voilà, c'est comme dans les grands groupes, hein, les collectivités ont des...
ont des cycles et encore on le voit avec des plateformes, maintenant on arrive à simplifier les choses. Et d'ailleurs on a vu pendant cette année de confinement, que ce soit dans les banques, dans les collectivités ou autres, on a réussi à signer des contrats à distance, des éléments, ce qui était impossible, inimaginable. Donc comme quoi, par moment, on arrive à être agile et innovant, même dans des structures très réglementées, donc même dans le privé, hein, je parle, j'étais dans un grand groupe de construction, on était aussi complexe que des collectivités, donc l'administratif à la française existe dans tous les sens et des fois un peu bloquant. Quelle est un peu toi ta vision en tant qu'offreur de solutions? Comment tu vois les choses évoluer enfin, au quotidien et puis sur ces derniers temps? Allez. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et peut-être pour se concentrer sur certains des points, je pense qu'il y a cette notion de cycle et de rapidité d'évolution des technologies. Là, on disait juste avant que ces projets Smart Cities vont prendre du temps, c'est cette coordination complexe au niveau des structures locales, mais aussi l'ensemble de l'écosystème, d'ailleurs, sur les opérateurs d'infrastructures, les équipementiers matériels, les équipementiers électroniques, les fournisseurs de logiciels. Donc, c'est quand même un écosystème qui est très riche et très complexe. Et un des risques importants, c'est d'avoir un écart qui s'accroisse entre la stratégie qui est définie à l'instant et qui est mise en place, et la réalité, les solutions qui existent, les technologies qui sont au service effectivement des applications et des besoins, mais qui elles avancent sur des cycles beaucoup plus rapides, extrêmement courts, poussés par d'autres domaines. Et donc ne pas renverser quelque chose qui serait un avantage au départ, où les projets de Smart City en fait bénéficient de toutes les avances qui ont pu être faites, qui peuvent être faites dans le domaine industriel, dans le domaine automobile, dans le domaine même d'autres verticaux, le résidentiel, enfin tous les autres segments qu'on peut connaître dans les domaines smart X, hein, parce qu'aujourd'hui tout est smart. Et donc d'avoir un disconnect où le moment où ces solutions seront déployées et mises en œuvre, mais finalement elles seront déjà quasiment dépassé on a parlé rapidement un moment d'interopérabilité aussi et de connexion entre tous ces sous-systèmes qui vont constituer une smart city. Eh bien, on n'aura pas pris en compte les dernières préconisations, les derniers travaux des groupes de standardisation ou de coordination de la communauté tels que je prends l'exemple pour le NFC Forum, pour l'Ultra Wideband, le consortium FIRA, en lien avec la Smart City, pour le Smart Home, le Project Matter, qui est anciennement le Project Chip, pour faciliter la connexion entre tous les objets connectés qu'on a de plus en plus chez soi. Eh bien, si on décale les deux cycles, le cycle d'un projet Smart City qui va lui forcément être un peu plus long, peut-être un peu moins agile, et ce que la technologie va pouvoir proposer et l'ensemble de la communauté va pouvoir proposer année après année, c'est le risque de se retrouver au moment du déploiement avec des solutions qui ne sont pas forcément en accord ou en lien avec ce que les utilisateurs, on a très rapidement mentionné l'expérience utilisateur, les critères d'adoption, parce que eux ont l'habitude ou vivront au quotidien. Et pour illustrer ça, et pour illustrer aussi la frontière de plus en plus fine entre tous ces silos ou tous ces sous-segments d'une smart city, je peux donner juste un exemple, je trouve très très intéressant sur le rapprochement entre deux domaines qui étaient les éclairages intelligents, on a parlé un tout petit peu, et tout ce qui est électrification et EV charging, donc chargeur, borne de recharge électrique publique. Je pense que je ne suis pas un expert de la politique urbaine, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'espace, la mise à disposition d'espace dans une ville, dans une agglomération, et c'est critique, il n'y a pas de place perdue, il y a des installations déjà existantes en termes de mobilier urbain extrêmement importantes. Donc, une des réflexions aujourd'hui, c'est plutôt comment réutiliser, améliorer, augmenter des équipements existants que de rajouter des solutions ou des équipements supplémentaires, ce qui est le cas, ce qui est nécessaire aujourd'hui, par exemple, pour
mettre en place lorsqu'on va mettre des véhicules électriques partagés, il faut bien des bornes pour pouvoir les recharger, voire même pour des usages de type résidentiel. Eh bien, ce qu'on voit par exemple, pour illustrer ça, sur cette fusion, ce rapprochement des sous-segments, on voit de plus en plus de projets démarrer pour intégrer dans des éclairages d'extérieur, dans des lampadaires, des capacités de recharge de véhicules. Donc ça peut être un vélo, comme ça peut être une trottinette, comme ça peut être une voiture. Après, il y a des contraintes techniques différentes, mais pas la peine de rentrer sur ce détail-là à ce moment. Mais on voit que donc quelqu'un qui pourrait avoir une démarche d'amélioration des éclairages, c'est un de mes dada, donc forcément le passage de l'incandescence à la LED et comment est-ce que je peux faire demain avec du smart lighting quelque chose de plus pour connecter, processer, traiter et capter de la donnée et la partager avec les acteurs locaux. Mais finalement, si j'ai une démarche pure verticale éclairage intelligent, et qu'à côté j'ai une démarche pure électrification et mise en place d'une infrastructure pour ma ville, je vais peut-être avoir deux projets qui vont se déployer en parallèle sans jamais se rencontrer, alors qu'il y a probablement un point de convergence, des points d'économie. Enfin, on a mentionné aussi forcément les questions de ROI qui ne sont pas toujours évidentes à calculer, à mettre en avant. Mais donc là, on voit très clairement sur cet exemple-là quelque chose qui ferait avancer les deux projets en même temps et qui permettrait aussi d'avoir un bénéfice immédiat auprès des consommateurs, usagers, habitants, qui me semble très très parlant pour tout le monde. Donc voilà une des illustrations sur le temps long, le temps court, le temps de la ville, le temps politique et le temps de la technologie, le temps de la solution. Et moi, je suis ravi aussi d'entendre découvrir, malheureusement pour moi, mais ce type d'initiative sur la région de Marseille, d'animer, de partager, de créer ces retours d'expérience entre les différents acteurs pour savoir un petit peu tout ce qui se fait en France, mais aussi partout dans le monde, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent, qui sont déployées, et ça va continuer en fait à infuser par les autres domaines dans la ville. Merci Christophe pour cette levée de d'opportunités, hein, de freins, mais surtout d'opportunités. On pourrait expliquer pendant des heures que c'est complexe. Je pense qu'on le sait. Maintenant, je pense qu'il faut arriver à se projeter malgré la complexité. Alors c'est le monde réel. Hein, si tout était beau, on ne s'amuserait pas. Caroline, vous, avec votre vision globale, comment vous voyez sur les années qui viennent, et notamment dans les deux prochaines années, un peu les évolutions autour de ces usages Smart City, et est-ce que vous avez des perspectives au niveau de Sopra? Donc ce que je peux dire, je pense que les programmes d'échange entre collectivités et même entre acteurs privés et publics, je pense, sont amenés évidemment à se développer. Je pense que l'Europe incite beaucoup aussi par ses différents appels à projets, mais à une certaine mutualisation, à de la coopération via les financements qui sont proposés. Donc ça me semble être un levier intéressant et une tendance forte. Là, on voit que les choses sont mises en place à l'échelle du territoire, à l'échelle de notre territoire. Je pense que l'avenir sera aussi à des programmes communs entre territoires différents et même à l'échelle internationale. Je pense qu'il y a des pistes de mutualisation, de capitalisation qui sont évidentes, en particulier ne serait-ce qu'au sein de la francophonie, avec le Canada, avec plein d'autres pays. Donc moi, j'identifie cette piste-là qui me semble particulièrement intéressante. Et puis, toujours sur la dimension de la coopération publique-privée, puisque faisant partie de Soprasteria, il est naturel que j'en parle. Nous intervenons par exemple auprès de la principauté de Monaco sur
un savoir-faire à la fois métier et technologique sur l'accompagnement à la gestion du trafic routier. Et c'est intéressant parce que là aussi, on voit qu'on va capter différentes sources de données et croiser ces données dans une optique d'aide à la décision pour des investissements futurs et aussi en temps réel. Et donc, peut-être la tendance, c'est de gérer cette double temporalité à la fois sur des retours temps réel. Alors, si je parle de, par exemple, de gestion de trafic, on va être sur le fait d'indiquer des itinéraires bis ou ce genre de choses, mais aussi sur de l'aide à la décision, plutôt pour adresser cette fois-ci le temps long et baser des décisions d'aménagement d'infrastructures sur des modélisations, sur des données, ce qui est finalement pas toujours le cas. Voilà. Très bien, Caroline. Michel, quel est, en dehors, on verra après avec les collectivités, comment ils se projettent, leurs besoins aussi, hein, vous avez la possibilité de lancer aussi des appels à besoins. Je ne parle pas forcément à solution, mais en tout cas, à engager aussi, hein, parce que comme on le dit, c'est important que les citoyens soient aussi participatifs. Je pense que ce n'est pas toujours évident si vous lancez des projets d'enquête et autres sur les réseaux des villes ou des métropoles, vous n'avez pas forcément le retour attendu aussi. Donc je pense qu'il y a aussi à embarquer les citoyens pour qu'ils sachent que bah, quand ils répondent à un questionnaire, il y a un impact global. Et ça aussi, je pense que c'est peut-être des choses qu'il va falloir faire évoluer dans les années qui viennent sur comment savoir que quand le citoyen répond à quelque chose, il engage aussi sa ville. Et en tout cas, la ville retient ce qu'il dit. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont pour l'instant, en tout cas, très peu vues ou en tout cas souvent plus du marketing que de la réalité. Mais c'est pareil au niveau des entreprises, hein, au niveau des questionnaires. Hein. Pour ceux qui ont fait du com et de la marketing, faire un questionnaire et jamais donner les réponses, c'est voilà, le pire truc à faire, mais c'est la réalité de 99% des études. Michel, quel est l'objectif de Made in Soft là, en dehors d'accompagner nos belles collectivités sur la Smart City? Est-ce que c'est fédérer encore plus d'acteurs? Enfin voilà, quel est l'objectif pour accompagner autant d'un côté les offreurs de solutions que les collectivités? Tellement de choses à dire. Je rebondis juste déjà sur ce que tu disais, c'est la conduite du changement. Quoi. On disait ce midi au déjeuner qu'il faut absolument réussir à embarquer un maximum de personnes pour que ça prenne, pour que la mayonnaise prenne. Et on a encore pas mal de choses à faire pour que ça fonctionne. Il faut que les citoyens comprennent qu'ils doivent être aussi, eux, des acteurs, parce que ça leur semble loin, ces sujets de ville intelligente. Je pense que la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent rien à leur niveau faire, alors que ce n'est pas vrai. Il y a un tissu associatif local qui est remarquable. Il y a des gens qui mènent des initiatives dont on ne parle pas assez. Et tout ça, ça va être des acteurs. On parlait du CIQ tout à l'heure aussi. Ce seront des acteurs qui vont nous aider en fait à tisser une toile. Plutôt que de prendre le sujet que par le haut, on peut aussi envisager que chacun à son niveau fasse le colibri et puisse être un acteur important et que ce soit un projet de ville, un projet commun, un projet où on n'est pas uniquement sur des décisions qui soient politiques. Je referme cette parenthèse. Et je me permets juste de dire aussi que comment on voit la Smart City dans un an, deux ans, je pense qu'on peut oser dire 5 ans, 10 ans. ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas de plus en plus vite. J'ose espérer que oui. D'ailleurs, si on écoute les uns et les autres, on voit qu'on est de plus en plus avertis, d'accord, qu'on a tous compris que c'est ensemble qu'on va réussir à avancer correctement et ben, ensemble on est plus fort. Ce ne sont que des évidences, je ne fais que d'enfoncer des portes ouvertes, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que ça marchera. Donc
à un an ou à deux ans, chaque ville va pouvoir effectivement capitaliser, on a parlé tout à l'heure de synergie, de mutualisation, etc., sur ce qui a été fait pour aller plus vite que si elle partait elle-même d'un sujet qui n'avait pas encore été défriché. Donc oui, ça va aller plus vite. C'est vrai aussi qu'il y a certains sujets qui technologiquement vont avancer très vite, donc il faut pas qu'on ait, faut qu'on fasse l'effort de ne pas avoir trop de décalage entre la durée des projets de façon opérationnelle et les technos qui arrivent derrière. C'est vrai, c'est un sujet aussi. Et donc pour ne pas monopoliser la parole, je réponds quand même à la question. Notre enjeu, c'est chez Made in Soft, c'est tout simplement d'être là pour accompagner, pour fluidifier, pour mettre de l'huile dans les rouages. Il y a beaucoup d'acteurs. Plus on est nombreux, plus c'est difficile. C'est la même chose que dans les grands groupes. On n'est pas à taille humaine. On le voit d'ailleurs tout à l'heure entre les enjeux entre une ville comme Istres ou entre une ville comme Marseille. Eh bien, c'est complètement différent à gérer, même si on peut capitaliser. On ne met pas en place du tout de la même façon les projets. Merci Michel. Toi, tu vas pouvoir te lancer dans la politique. Je plaisante bien sûr. Sur ta première remarque, je pense que, avec Made in Soft et la COP, vous savez que Made in Soft fait partie du comité de pilotage avec Euroméditerranée et donc la French Tech. Je pense que, il faut savoir que la COP, elle est ouverte, c'est un outil de territoire. Donc, on est quand même un lieu d'innovation reconnu. Donc, si les collectivités veulent utiliser la COP, notamment pour faire des rencontres avec les citoyens, faciliter, on parlait sur une conférence avant, entre prendre un risque et take a chance, je pense que voilà, on peut utiliser la COP et les acteurs de Made in Soft et de la French Tech pour peut-être faire des rencontres, parce que c'est vrai, on le sait, c'est pas parce qu'on lance des questionnaires qu'on veut engager que les gens le prennent de l'autre côté. On le voit dans la politique, on a vu les dernières élections, le taux de participation. Donc je pense qu'il faut aller sur des sujets ou en tout cas dans des lieux ou des moments où les gens n'ont pas forcément l'habitude et d'aller chercher des citoyens qui ont envie encore de s'engager, mais de sentir que de l'autre côté, il y a un retour aussi. Et ça peut être des lieux comme celui-là ou d'autres qui permettent d'être un lieu neutre et en tout cas un lieu d'innovation et d'échange sur tous ces sujets qui sont de vastes sujets et qui permettraient au moins d'avoir une partie quali à côté des parties quanti que vous pouvez faire facilement avec les réseaux. Parenthèse à part, Guillaume, je te laisse te projeter. On prend la nouvelle avec plaisir. Alors, je ne sais pas si y a un mot important aujourd'hui, mais... On parle beaucoup donc de territoire intelligent, de smart city, etc. Mais encore faut-il gérer que tout le monde puisse être en capacité d'y arriver. Je prends un exemple. Actuellement, beaucoup de démarches du point de vue national se font de façon dématérialisée via un téléservice. Et les collectivités doivent suivre ce mouvement de ce qu'on appelle l'état plateforme. Hein. Où la carte grise, la carte d'identité, le passeport, tout ça s'instruit maintenant de façon numérique. Et on se rend compte que, quand on parle donc, de ces nouvelles technologies, on laisse 60-70% des gens au bord de la route. Et on s'en rend compte d'autant plus maintenant avec le confinement, où on a développé les outils de visioconférence, de partage d'informations à distance. Et là, on rentre dans le dur, quoi, Et dans une collectivité, on se rend compte aussi que beaucoup de nos agents sont très loin de cette culture-là. Et donc, pour réussir ce virage du territoire de la ville, entre guillemets, « smart » de demain, non seulement il faut accompagner nos citoyens ce nouvel environnement hein, où il va falloir s'approprier de nouveaux outils, de nouveaux processus, mais aussi, nous, en interne, on a un vrai souci de transformation. C'est-à-dire que l'agent, il n'est plus là pour instruire du dossier, donc il n'est plus en face de vous, mais il est à côté de vous pour vous aider. Et franchement, ça, c'est un pas de géant chez nous, et ça va prendre des années pour changer tout le mode de fonctionnement de l'administration. Quand je dis ça, c'est que vous voyez que le guichet, vous, en bout de chaîne, quand vous arrivez dans un bureau municipal de proximité, mais derrière, il y a énormément de gens qui travaillent dans le process, dans le traitement des dossiers, ça sous-entend qu'il faut transformer tout le mode de fonctionnement de la collectivité pour assurer un service auprès de l'usager de qualité. Et donc ça, c'est le chantier de la décennie pour la ville de Marseille.
se transformer pour accompagner ces changements, pour mieux accompagner l'ensemble de nos citoyens, commerçants, artisans, industriels, etc. Mais aussi nous en interne, monter en puissance, monter à la gamme, monter à la cible, pour pouvoir être au même niveau et ensuite pouvoir accompagner, être un médiateur et pas un instructeur. Et ça, c'est vraiment le grand changement qu'on va essayer, j'ai bien tenté, d'opérer dans les 10 ans à venir pour la ville de Marseille. C'est vraiment cette transformation de la relation avec le citoyen. Merci Guillaume. Vaste. Bon, en même temps, si on regarde l'exemple de la Poste, ils ont réussi à se transformer et c'était des guichets. C'était un guichet. Alors, tout n'est pas rose. Hein, oui, non, on est d'accord. Mais on peut le voir quand on va dans un bureau de poste, ça n'a plus aucun rapport avec le bureau de poste que vous avez connu avant. Quoi. Oui, je vais dans le même. Je dirais la même chose un peu que Guillaume. En effet, il faut penser à nos agents aussi qui sont un peu perdus. Et on l'a vu là avec le Covid, hein, parce qu'on leur met, on leur dit, ben, vous allez être dans le télétravail. Ils ont vraiment énormément de mal. On le voit de plus en plus. Hein. Et nos administrés aussi. Donc c'est vrai, nous à Istres, on a la chance d'avoir une maison de France Service qui s'est installée justement pour toutes ces démarches-là. C'est important et on s'aperçoit que les gens sont en très grande difficulté. Je pense à la ville de Martigues qui a pas mal de faits dans ce sens-là parce que c'est important hein, pour nous administrer cette partie-là. C'est difficile quoi, hein, pour nous tous. Voilà, après la ville intelligente, je pense qu'on avance tous à notre rythme. Oui, on s'aide entre tous, même voilà, avec Made in Soft à nos côtés. Mais bon, on le fait depuis une quinzaine d'années hein, de se retrouver parce qu'on a besoin les uns des autres et en tant que DSI, de voir un petit peu ce qui se passe à côté. Et puis, là où ça n'a pas fonctionné, on peut dire ben, on va faire autrement. En fait, on se sert les uns des autres de notre expérience. Et le retour d'expérience est fondamental dans l'avancée de cette ville connectée, cette ville intelligente, où on met tout et rien à la fois, hein, parce que c'est énorme. En fait, si, selon les villes, on mettra l'éducation dedans, sur d'autres, on mettra autre chose. Mais en tout cas, ça avance. Et je pense que on est bien au niveau des collectivités, qu'on trouve toujours assez ringarde. Je trouve que quand même, on avance pas mal. Quoi. Voilà. Merci Sophie. Et une question juste après la ville de Marseille. Est-ce que c'est plus facile pour une ville comme Istres de révolutionner que je pense que parce des villes comme Marseille avec des arrondissements Oui, une plus petite échelle pour moi. Mais justement, on en discutait avec Guillaume. Marseille, mais c'est un gros poker avec une liste de Zodiac. Donc forcément, c'est pas pareil. Quoi. Voilà. Eh oui. Ça, quand on prend une décision, on voit l'effet quelques kilomètres plus loin, alors que vous, c'est vrai que c'est un petit tout zodiac qui se faufile. Après, il faut savoir où on va. Voilà. Après, il faut être bien. Enfin, je reste, hein, j'ai la chance d'avoir un élu au numérique assez présent, c'est important. Et puis, un maire qui veut le meilleur pour sa ville, c'est important aussi. Même si ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas proche du numérique, mais ça ne fait rien. Il veut le meilleur pour sa ville et c'est là où c'est important hein, pour justement l'avancée d'une collectivité pour tous. Quoi. Oui, c'est à noter pour ceux qui ne le savent pas et qui ne connaissent pas Istres, il faut y aller parce qu'il se passe beaucoup de choses sur Istres. Je pense qu'on va entendre beaucoup de choses qui vont sortir dans les prochains mois, mais moi je suis assez halluciné de tout ce qui s'y passe. Voilà, pour une ville moins connue, avec beaucoup moins de revenus, et en tout cas, en plus éloignée du cœur de la métropole. Tout à fait. Qui est, on va dire, la partie la plus éloignée de la métropole, et il y a souvent une distance qui crée un peu de frontières. On disait, on passe pas à Istres, il faut y aller. C'est en ça. Fait, la différence de la ville comme Martigues, où vous passez dans Martigues, à Istres, non. Il faut vraiment dire qu'on va là-bas, quoi. Ben, c'est pour ça salon où c'est plus facile pour la sortie. Souvent on dit on va à Istres. Oui, c'est l'autre. Ouais. Mais n'hésitez pas à venir, c'est une ville où il fait bon vivre en tout cas. Non, par contre c'est vrai que c'est très très beau. Enfin moi j'avoue, hein, j'y allais pour le boulot à une époque, mais que pour le boulot et je l'ai découvert il y a quelques temps et c'est vraiment une belle ville à découvrir dans notre métropole comme il y en a plusieurs. Donc c'est une bonne transition pour Thomas. Alors Thomas, c'est des vastes sujets, la métropole, voilà, vous nous avez parlé là, des 5 projets là, qui sont poussés. Il y a beaucoup de projets autour de la mobilité dans les 20-30 ans qui sont censés, en tout cas, arriver pour un peu révolutionner le mode de déplacement sur la métropole. Alors,
Quelle est l'ambition, on va dire, allez, à moins de 30 ans, parce que dans 30 ans, on ne se rappelle pas tous là. Et en tout cas, on ne s'en rappellera pas. Mais à 5 ans, et qu'est-ce qu'on peut envisager de la métropole? Bon, fixons-nous des échéances, on essaiera d'être là quand même, c'est plus sympa. Non, un petit pas de côté juste sur la question de la complexité, parce que faut pas qu'on fasse que de se flageller sur ces sujets de coopération et de complexité, mais il faut quand même la rappeler aussi aux usagers et aux territoires. C'est l'exemple de la borne IRVE, moi je l'ai trouvé sympathique tout à l'heure, parce qu'en fait si on la décortique un tout petit peu, on a déjà 4 ou 5 réseaux d'utilité publique qui entrent en jeu sur une seule borne de recharge. C'est-à-dire que vous avez de la voirie, qui est de la compétence de la commune et sur certains territoires d'un niveau intercommunal, donc c'est-à-dire un goudron pour se garer. Ensuite, votre borne, elle est souvent reliée à un réseau, donc à un réseau de fibres. Donc là, vous allez avoir un réseau d'utilité publique qui est encore différent. Ensuite, il faut qu'elle soit connectée à l'électricité, donc elle va être raccordée à un réseau d'électrification qui fait encore mettre en jeu des niveaux de compétences et des acteurs différents. Ensuite, potentiellement, vous allez utiliser une application pour badger ou pour interagir avec cette borne, et donc il va peut-être vous falloir un réseau de connectivité 4G pour y accéder, et puis vous allez peut-être utiliser un mode de paiement qui lui aussi va encore faire entrer en jeu des questions d'interopérabilité, d'usage qui sont différents. Donc voilà, sur un simple geste, il faut aussi rappeler, ces sujets, si on a du mal à avancer, c'est parce qu'ils sont quand même compliqués, et s'il y a beaucoup d'acteurs publics et privés qui travaillent sur ces sujets, c'est parce que c'est des sujets compliqués. Après, sur les solutions et les perspectives, je pense qu'il y a la question quand même du partenariat public-privé. Comment on arrive à travailler différemment et plus vite et mieux entre acteurs publics et privés? On a des leviers juridiques qui permettent de le faire. On a les contrats de recherche et développement. On a les achats innovants à moins de 100 000 euros. On a même la possibilité de mettre à disponibilité du foncier gracieusement auprès de nos startups et nos entreprises pour expérimenter. Et donc ça nous amène au sujet d'expérimenter plus, d'expérimenter mieux. Et ça, je crois qu'on le travaille tous. Tout le monde veut travailler ce sujet pour essayer de faire mieux. Est-ce qu'on est capable de sortir une convention type pour accueillir une start-up sur le territoire qui veut tester sa solution? Oui, en fait, juridiquement, on est déjà capable de le faire. Donc, il faut juste accélérer la pratique, avoir les outils pour le faire, comme par exemple les démarches de plateforme d'innovation qu'on porte nous. Sensibiliser nos collègues et les acteurs publics à ces questions de levier juridique. Alors, c'est pas du tout amusant, malheureusement. Depuis 10 ou 15 ans, on travaille sur ces sujets de smart city, d'innovation ou de données. Malheureusement, on revient travailler ces sujets de juridique et de levier juridique. Donc moi, je n'avais pas envie de les travailler, mais malheureusement, il faut les travailler et c'est un vrai sujet. Donc je pense qu'on progresse tous là-dessus et il y a des leviers. Et puis, il y a la question de l'implication de l'usager. Là aussi, aujourd'hui, on a des outils techniques qui sont largement éprouvés pour impliquer l'usager dans nos démarches. Il faut qu'on le fasse plus. On est capable d'isoler des parties de budget pour concerter le citoyen. On est capable de le concerter sur un ensemble de projets à travers du vote en ligne. Donc on est capable de faire pas mal de choses dans ce domaine-là et d'aller d'abord chercher les sujets auprès des usagers pour mettre en face des cas d'usage pratiques et opérants. Donc voilà sur les perspectives immédiates. Sur le sujet de la coopération, quand même un petit mot, ce qui peut paraître assez improbable quand on n'est pas dans le secteur public, c'est qu'en fait finalement si on n'acceptait pas de manière informelle de coopérer entre nous, ça n'existerait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien ne va nous imposer sur ces questions de mutualisation de plateformes et de démarches de coopérer ensemble. Hormis le fait qu'on ait envie d'aller manger ensemble vendredi à Istres pour travailler ces sujets-là. Il n'y a rien qui nous oblige. Je pense que ça aussi, il faut que ça change un petit peu. Est-ce qu'on peut tous continuer à mettre en place une plateforme de données, une plateforme IoT, une plateforme d'innovation à chaque échelon? Certainement que non. Est-ce que c'est possible de faire autrement? Oui, même sur le territoire, sur les questions de données, il y a déjà des belles expériences qui sont arrivées et qui sont exemplaires. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans le champ de la Smart City ou de l'innovation. Mais ce qui est quand même assez improbable, c'est qu'aujourd'hui, rien ne nous oblige à le faire, quoi. Donc, voilà, mais à nous de le faire ensemble. Ouais. Il n'y a pas de réglementation, on va dire, nationale ou locale pour ces sujets-là, mais ben, quelle est la solution? Est-ce que c'est de créer une agence d'innovation où toutes les collectivités sont participantes et collaboratives? Méfions-nous sur la création de nouvelles structures publiques-privées, je pense qu'on en a assez. Et on a sûrement les véhicules juridiques pour déjà travailler ensemble. Donc il y a des structures qui existent, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'en créer de nouvelles. C'est l'envie aussi qui va surtout nous aider à se rapprocher, à mettre en place les solutions ensemble.
Ouais. Après, il faut faire attention que les humains qui sont présents peuvent s'entendre et il faut qu'il y ait une durée de vie. C'est ça qui va être compliqué. Est-ce que ça soit dans la durée, hein, parce que les projets sont lointains, donc c'est clair. Dominique, sur la partie bâtiment, quelles sont pour toi les perspectives, notamment liées à la Smart City et au Smart Building là, dans les... Alors, on sait que, si on prend l'exemple de la réglementation BIM, nous on a ouvert la coque il y a quasiment 4 ans, ça fera 4 ans en septembre. Ça fait 4 ans que Romy Dernier me dit c'est l'année prochaine, l'Europe va mettre en place. C'est toujours pas le cas. Je ne suis pas sûr, à vision humaine, que dans les 2-3 ans, ça soit encore. Nos amis anglais et italiens, c'est obligatoire. Sur le territoire de Romiternay, c'est obligatoire. Alors, même si le BIM n'est pas la solution finale et idéale, mais c'est en tout cas un chemin pour mieux manager les bâtiments et les intégrer dans les territoires intelligents. Voilà. Quelles sont tes perspectives ou tes envies? Peut-être que ce sera plus simple que les perspectives qui sont plus... Moi, j'espère que dans les 10 prochaines années, on va pouvoir réussir à changer le paradigme de la collaboration autour de la donnée, notamment dans l'acte de construire et sur l'ensemble de la chaîne de valeur du cycle de vie du bâtiment. Parce que sinon, nos amis américains, pour ne pas les citer, vont truster, comme ils le font déjà aujourd'hui, l'ensemble de nos démarches et processus et données. Parce qu'en fait, encore une fois, tu as parlé du BIM. Le BIM, c'est quoi? Le BIM, ce n'est qu'un processus de travail collaboratif qui s'appuie sur la maquette virtuelle 3D. Et dans les formats de fichiers aujourd'hui 3D, il est loin d'y avoir l'ensemble des informations d'un projet de construction. Bon, donc... il faut changer ce paradigme, et c'est un peu anecdotique ce que je dis, parce qu'en fait, il y a 35 ans, j'ai poussé ce paradigme 3D moi-même, mais il faut, la boucle étant bouclée, il faut changer ce paradigme et revenir dans le mot BIM, non pas sur le M de modeling qui veut dire 3D, mais sur le I de information qui veut dire data. Donc, à partir du moment où on arrivera à changer ce paradigme, je pense qu'on pourra avoir une continuité, une fiabilité de la donnée, une démocratisation de l'accès à l'information de l'ensemble des intervenants de l'acte de construire, et surtout une continuité sur l'ensemble des différentes étapes. Parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas un jumeau numérique ou une maquette 3D jumeau numérique qui soit utilisable en exploitation. C'est un bon sujet, je peux vous en parler. Ah, ben, je connais un peu le sujet. Pourquoi? Ben parce que c'est pas possible. Bon. Tel que c'est fait aujourd'hui, tel que c'est pensé aujourd'hui, ce n'est pas possible. Vous ne trouverez jamais, enfin moi j'en connais pas, hein. Depuis 35 ans que je suis dans le sujet numérique et bâtiment, je ne connais pas un bâtiment en 3D BIM qui corresponde au bâti, au bâtiment réellement bâti, construit. Bon. Et ça vient de la problématique du processus initial qui, à mon sens, n'est pas bon. Donc j'espère qu'on va pouvoir, de manière souveraine, changer ce paradigme pour une deuxième fois. Et je me tiens à votre disposition pour en parler, si ça vous intéresse. Merci Dominique. Donc c'est un des sujets qu'on abordera le 31 janvier avec PropTech et avec Romy Dernier. On parlera, donc ça touchera la ville aussi, hein, clairement. Donc, alors si les dates sont bien confirmées, hein, on espère qu'au mois de novembre, on aura pu... on pourra vivre normalement, mais voilà, donc autour du 31 janvier et 1er février, on aura des événements autour de la PropTech et du BIM, voilà, pour expliquer un peu les enjeux de liaison, on va dire, entre la ville, les usages citoyens et le construit. Donc ça sera important à noter. Je vous remercie tous, parce qu'on pourrait encore durer des heures, on a dépassé déjà le temps de la conférence, mais c'est super intéressant. On le voit bien, des complexités, des opportunités surtout, hein, comme on dit, la complexité, c'est on laisse ça derrière, on avance sur les opportunités, la donnée, mais ça je pense que ça va être des sujets, quels que soient les domaines qui vont être importantes. On n'a pas parlé beaucoup d'intelligence artificielle, mais obligatoirement c'est lié et c'est des sujets qui vont s'accélérer, notamment avec l'IA Act et autres sujets qui arrivent avec l'Europe et au niveau national. On donnera rendez-vous dans un an pour voir un peu comment ça a évolué. J'espère en bien, chacun aura
des anecdotes et en tout cas on pourra mettre en liaison avec d'autres territoires aussi que la Wallonie. On les remercie, remercie Isabelle de s'être rendue disponible avec le partenariat qu'on a fait avec le village francophone, la communauté. On arrive à créer des connexions avec les autres territoires internationaux mais même nationaux. Force est de constater que des initiatives comme French Tech sont plus descendantes que transverses. Et là, cette initiative-là nous permet de communiquer avec des territoires comme Nantes, comme Nice, comme Lille, avec la Belgique, le Canada. Voilà, on va essayer d'apporter sur ces prochains mois pas mal de connexions entre nos territoires et les autres territoires. Parce qu'on se rend compte, même au niveau national ou même international, il y a plus de complémentarité que de concurrence. Et donc plus d'effets de levier. Et en plus, bah voilà, si on arrive à partager des bonnes pratiques aussi, tout chaque territoire, si on raisonne en mode collaboratif, on sera tous gagnants parce qu'à un moment donné, il faut tous qu'on avance. Merci beaucoup pour cette conférence. Et on va passer au pitch et après on aura la conférence de 16h30 sur Smart Mobility et Smart Energy. Merci.